à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 janvier pour les lions ascendant lion et lune en lion. Alors comme d'habitude, j'utilise ici mon tarot de Marseille. Je vais tirer deux cartes, une première carte pour le début et les lumineuses semaines, une deuxième carte pour la fin de semaine. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description. Vous trouverez des tirages privés, des guidances, mes prédictions et prévisions 2018 pour chaque signe astrologique. Et vous pouvez également commander chaque mois la guidance sentimentale de votre signe pour les célibataires et pour les couples. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça vous permet d'être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Allez, je me concentre sur vous les lions. Je vais rajouter ensuite deux cartes du Golden Universal Tarot. Allez, que vous réserve cette semaine les lions. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la lame Tempérance qui parle de gérer votre situation et vos émotions. Ça parle aussi pour la plupart d'entre vous d'être patient. Il y a un dénouement positif de votre situation. Cependant, cela va mettre du temps et vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin. Ça pourrait aussi parler de faire des concessions, des compromis, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça pourrait aussi parler de déplacement pour certains d'entre vous qui pourraient justement vous permettre de vous ressourcer, de vous aérer l'esprit. Ça parle également de guérison personnelle. Ça pourrait parler d'anciennes blessures qui seraient toujours présentes et vous allez devoir vous recentrer, vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir cicatriser. Ça pourrait aussi parler de tergiverser. Certains d'entre vous devront prendre une décision, mais vous avez du mal justement à vous décider et à faire un choix qui aurait un impact dans votre vie en général ou dans un aspect de votre vie. Ça pourrait aussi parler de réconciliation en perspective, ça pourrait également parler de communication. La communication pourrait être très importante durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame, la mort qui parle de fin, qui parle également de mettre un terme à des situations très négatives et qui vous empêchent de déployer vos ailes. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça parle également pour la plupart d'entre vous de changements radicaux. Ces changements vont vous permettre justement de vous réaliser et de suivre un nouveau chemin qui pourrait vous permettre de réussir tous vos projets. J'ai cette sensation également que votre passé pourrait être encore présent dans votre esprit. Donc ça pourrait parler de guérison, d'anciennes blessures qui proviennent de votre passé. J'ai cette sensation que vous avez cette envie très forte de balayer votre passé, de faire le ménage dans votre vie en général pour pouvoir clore un ancien chapitre de votre vie et ouvrir une nouvelle page. Donc je vais rajouter deux lames. Alors on va commencer par la Tempérance. Et nous avons la reine de deniers que voici, qui
qui parle de retrouver confiance en soi. Ça parle également de gérer votre situation. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous souhaiteraient transformer leur vie professionnelle. Et j'ai cette sensation que vous pourriez le faire, mais vous allez devoir faire un gros travail sur vous et retrouver une vision claire de ce que vous voulez réellement concrétiser au niveau professionnel. Ça pourrait aussi parler d'un personnage autour de vous qui pourrait être très bienveillant, très généreux et qui pourrait vous apporter son aide. Je vais rajouter une carte pour la lame, la mort. Donc il y aura bien une finalité. Si vous traversez une phase difficile, j'ai cette sensation que vous allez y mettre un terme. Il est vrai que ça pourrait aussi parler de rupture professionnelle ou de rupture sentimentale. J'ai cette sensation que vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui est très pesante pour la plupart d'entre vous. Nous avons le 8 d'épée. Effectivement, certains d'entre vous pourraient tergiverser comme je vous en ai parlé avec la lame tempérance. Il y aura bien des choix à faire, il y aura bien des décisions à prendre, mais pour le moment, vous ne sauriez pas où vous diriger. Donc il va falloir faire un gros travail intérieur comme je vous en ai parlé et mettre un terme à des situations qui seraient pour vous assez négatives, assez nocives et qui ne vous apporteraient que de la confusion. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez au fur et à mesure du temps mettre un terme à des situations ou à une seule situation qui pourrait justement vous empêcher de vous réaliser et d'avancer sur votre chemin. Voilà mes amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, j'espère que ce nouveau tirage vous aura plu et qu'il vous aidera pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous retrouver très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.